Hey les amis, j'ai une nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin est arrivé. Le petit dernier est arrivé. Voilà. Donc bon, ben je vais bien sûr faire un tirage. Hein. Je suis ravie d'avoir ce jeu. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Les cartes sont très belles. Donc je vais bien sûr faire un tirage avec les quatre oracles de Corinne Madelin. Je vous mettrai le nom de sa boutique, les liens de sa boutique pour acheter ses oracles. Donc on a l'oracle de cristal qu'elle a créé il y a très longtemps, qui est vraiment en matière de loi d'attraction, on ne peut pas faire mieux, je pense. Bon, après, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Mais là, celui-là, vraiment, il m'a parlé dès que j'ai su qu'elle avait fait un oracle de la loi de l'attraction. Je l'ai tout de suite acheté, je crois que je l'ai acheté en 2017 ou 2018, enfin bon, peu importe, depuis je l'utilise régulièrement. Alors on va parler de lumière, hein, code de lumière, et je remercie les archanges, les guides, les anges et les êtres de la nature, et surtout l'archange Métatron qui va me donner les messages clairs pour cette vidéo, pour les gens peut-être se pose des questions sur la lumière. Sur la lumière, est-ce qu'elle a gagné? Est-ce que la lumière ceci? Est-ce que la lumière cela? On va prendre quatre cartes que je vais mettre là. Je ne vais pas faire en croix, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Donc, c'est l'oracle qu'elle a créé aussi en suivant. Ensuite, elle a créé l'oracle des symboles de vie. Et le dernier, l'oracle des codes de lumière, qui est vraiment magnifique. Donc, on va voir. Je vous invite à voir si vous avez envie, si vous pensez être dans la lumière ou si vous pensez... qu'est-ce qu'on va avoir dans cette vidéo? On va rester concentré. Parce que certains d'entre vous sont perdus. Hein. Entre ce qui arrive avec les élèques plus loin Sion, avec l'avenir qu'on nous réserve, avec plein de choses, eh bien, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur la lumière. L'oracle, donc, des symboles de vie. Et donc, vous irez voir sa vidéo hein, pour la présentation de son jeu. Je vous mettrai sous cette vidéo... Je vous mettrai ces liens. Vous pourrez retrouver sur sa chaîne la présentation de ce jeu. Et vous pouvez retrouver dans sa boutique tous ces jeux. J'adore ces jeux. Ils sont vraiment, mais puissants. Très puissants. Bon, je vais en prendre une dernière. Voilà, je voulais faire 4, 4, 3. Bon. Alors, on va regarder, on prendra les codes de lumière à la fin. On va déjà regarder ce que ça nous annonce. Alors, on a « Détendez-vous, la lumière a gagné !» La santé, la lumière a gagné. Pourquoi? Pour notre meilleure santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Détendez-vous parce que ça va vraiment vous créer... Le fait d'être détendu, d'être confiant, d'avoir la foi en l'avenir et tout ça, ça va vous donner une bonne santé. En fait, la santé dépend de votre état d'esprit. Si vous êtes anxieux, stressé, que vous croyez que ça y est, on va vivre des jours terribles, eh bien, ça vous crée de mauvaises santé. Ça vous crée des stress, ça vous crée des cancers, ça vous crée des maladies. Donc, détendez-vous. Je prends un temps pour moi. J'ai envie de vraiment vous inviter à vous détendre. Hein, la lumière a gagné pour la bonne santé. Reconnectez-vous à vous-même. Union, je me reconnecte à mon être profond. Mon être profond, c'est quoi? C'est mon état divin, mon état d'esprit divin. Je suis un être divin, donc je me reconnecte à moi-même. Je me reconnecte à mon être divin, à ma divinité. Et on a le succès sur la lumière. Alors, ça ne s'invente pas, ces cartes. C'est vraiment... Waouh, j'ai envie de te dire, il n'y a rien d'autre à dire. Et on ne va pas faire tout un plat sur la lumière qui a gagné. La lumière a gagné, la lumière a gagné, point barre. Je réussis tout ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit positif, que vous pensez que la lumière a gagné, eh bien, tout va vous réussir.
D'accord ? Si vous êtes dans le doute, comme moi ça m'est arrivé, je vous avoue que quand je suis en plein doute, ben rien ne va, ça fonctionne pas, j'ai pas de plan, j'ai pas de créativité, j'ai pas de, enfin ça ne va moins bien que quand je pense à positiver et à être à fond dans ce que je fais. Donc vraiment, c'est important d'être dans un état d'esprit de détente, hein, et parce que ça t'apporte vraiment une bonne santé d'être détendu. Quand tu es détendu, que tu es en bonne santé, tu peux mieux te connecter à toi-même. D'accord ? Tu peux te connecter à ton âme, tu peux te connecter à la source. Et tout ça, ben, ça te procure le succès. Alors, le petit oracle de l'intuition, eh bien, on a des choses à travailler. On a la jalousie pour certains et certaines. D'accord ? La jalousie, c'est important de travailler la jalousie. Hein. Il ne faut pas être envieux, il ne faut pas être jaloux des autres parce que ça fait retarder votre propre réussite. Vraiment, c'est important. On te dit que pour la santé, on t'accorde une bonne santé. Et il y a aussi, vous savez, quand on est jaloux, on se crée des maladies. Hein. On n'est pas bien, on est envieux, on est jaloux et ça nous crée une santé pas très très bonne. Hein. D'abord, une santé mentale pas bonne parce qu'on envie les autres, on est jaloux, ou alors on est jaloux, on est tout le temps dans le doute, par exemple la jalousie par rapport à un conjoint, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il est vraiment sincère, est-ce que ça vous crée des mal-être et ça joue sur votre santé, d'accord ? Donc là, on te dit, accorde-toi un temps de détente pour justement ta bonne santé. On te dit que quand tu vas te reconnecter à ton être profond, eh bien, tu te seras pardonné. Le pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même, être en accord avec soi-même. C'est être bien avec soi-même. D'accord ? Et on a, bah, quand tu vas avoir le succès, bah, tu vas prendre plaisir à goûter à ta réussite. Quand on a du succès, bien, on est félicité, on nous applaudit, j'allais dire. on est honoré, on a les honneurs, tu vois, donc c'est ça. Ensuite, on a la renaissance et le messager divin. Le messager divin, il va t'apporter des messages, donc tu vas avoir justement, grâce à ton état d'esprit de relaxation, de détente, tu vas pouvoir mieux être connecté à la source, donc à ton être profond, et tu vas pouvoir recevoir des messages de tes guides, hein, ou de ton ange gardien, ou de voilà, ou d'un défunt, peut-être par le biais d'un ou d'une médium, ou peut-être que toi-même, tu vas recevoir des messages. Tu vas les recevoir toi-même. Il va y avoir une renaissance pour certains et certaines. Hein, ceux qui sont vraiment dans la détente, qui sont cool, qui prennent la vie du bon côté, eh bien, c'est vraiment ce qui va se passer. Vous allez avoir des accords, prendre du plaisir dans vos projets respectifs. Alors là, on te parle que si tu ne passes pas par le pardon, ça te crée des échecs, parce que quand on est encore, on ressasse, quand vraiment on n'est pas bien, qu'on est, eh bien, quand ça nous crée des échecs. Donc, on t'invite vraiment à annuler tout ce qui est jalousie, à pardonner si tu as souffert dans ta vie, pour que les échecs ne soient plus qu'un mauvais souvenir. D'accord. Et on dit bien que les échecs, hein, dans le jeu de l'oracle de cristal, les échecs, il y a la carte échec aussi, qui dit que l'échec, c'est la prise de conscience. Prends conscience de tes échecs pour justement pouvoir avancer dans ta vie. D'accord. Et on te parle que tu vas pouvoir repartir en voyage ou tu vas pouvoir faire de beaux voyages. C'est peut-être des voyages astro, la nuit, tu sais qu'on voyage. C'est peut-être des voyages en méditation. Moi, je sais que quand je fais des méditations, je pars dans des contrées lointaines. Ça, c'est peut-être grâce aussi aux voyages chamaniques que j'ai pu faire. Et les voyages, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est génial. J'ai oublié, et j'en profite parce qu'il est sous mon nez, de vous parler du petit oracle des petites créatures mythiques et légendaires. Donc, on va en prendre une.
Et on terminera par deux cartes, des codes de couleurs. Donc, en fait, Corinne a créé 3 et 1, 4, 5 jeux, 5 oracles. Donc, c'est vraiment magnifique. Bravo à elle. C'est vraiment formidable. Ses jeux sont vraiment super. Elle a une créativité et une... voilà, je l'avais interviewée. Je vous mettrai la vidéo aussi sous cette vidéo. Je l'avais interviewée sur ma chaîne. J'étais ravie de la recevoir parce que c'est vraiment... elle fait un travail incroyable. Et là, on va prendre cette carte. Alors, c'est le 4 site. C'est difficile à dire, mais... on dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Donc, on est vraiment sur est-ce qu'on voit la lumière ou est-ce qu'on voit l'ombre? Comment tu te places? Dans quel état d'esprit tu te places? Donc, tu peux transformer toutes tes choses négatives en changeant ton regard. Une situation compliquée, quelque chose de difficile à vivre, eh bien, tu vas pouvoir changer ton regard pour voir quelque chose de merveilleux. Ça dépend du point de vue. Allez, on va prendre deux cartes et on va se laisser imprégner. J'ai envie d'en prendre deux. J'ai le droit. L'archange Métatron me dit que j'ai le droit et on va avoir le numéro des cartes. Alors, on va avoir la 8 et la 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... et 28. J'ai chaud, hein, j'ai tous les archanges avec moi. Voilà. Alors, on a deux cartes. Je vais vous laisser vous imprégner de la première. La première, c'est le chakra solaire. Favorise l'harmonisation du chakra, du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette carte du chakra solaire, elle va avec la carte détente. Parce que quand on se concentre à se relaxer, à être détendu, eh bien, le chakra solaire, qui est le plexus solaire, qui est vraiment le chakra des émotions, c'est là que, sur le plexus solaire, c'est là que tout est centralisé. C'est-à-dire, c'est comme, vous voyez, vous pouvez imaginer que votre corps, que ce code de lumière là, que ce code de lumière là, imaginez que ce code de lumière est au milieu de votre plexus solaire. Imaginez qu'il est là, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à fermer les yeux, j'allais dire, à vous imprégner de cette photo, de ce code de lumière, chakra solaire, et d'envoyer cette photo visuellement dans votre chakra solaire. Je ne sais pas si Corinne aurait dit ça comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est de la lumière, c'est vraiment lumineux, cette rosace. C'est vraiment très très beau. Et ensuite, on a mission de vie. Favorise la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Alors, je vous invite à vous concentrer pour essayer de canaliser votre mission de vie. Si vous ne le savez pas encore, quelle est votre mission? Bien, on vous invite à vous reconnecter pour que à vous reconnecter à ta mission de vie. Dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Donc déjà, ta mission de vie, avant de faire, de savoir ce que tu vas faire comme métier ou comme... parce que beaucoup de gens ne font pas le métier qu'ils aiment, beaucoup de gens font du travail alimentaire, tout ça va changer
tout ça va changer. On va vraiment vers des moments où on va pouvoir retrouver notre créativité, notre l'abondance, l'épanouissement, la joie. On va vraiment vers ça. Vous en avez peut-être pas conscience encore pour certains et certaines, mais on va vraiment vers ça. Donc ces deux cartes, en fait, elles sont vraiment complémentaires. Excusez-moi pour les reflets. Pour moi, elles sont complémentaires. C'est pour ça que j'ai pensé à en prendre deux parce que j'en voulais deux. Je vous en tirerai au fur et à mesure des tirages, hein, maintenant que j'ai le jeu. Je l'ai reçu cet après-midi dans boîte aux lettres. Je vous invite à imaginer ce chakra solaire au milieu de votre chakra solaire, cette carte, et de penser à votre mission de vie. Votre mission de vie première, c'est déjà d'être dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est venu expérimenter des expériences. On est venu expérimenter. Mais on n'est pas venu que souffrir. On est venu pour justement apprendre l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel passe par la joie. Et on va vraiment vers des moments... voilà, on a 3 ans de lumière. Donc voilà, je vous invite vraiment... Ah, si vous le voulez, je vous mets le lien, je vous mets tous les liens. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite les amis.